Bonjour tout le monde. Coucou Karine, bonjour Nathalie, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la page Harmony Scrap. Je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je vois que vous arrivez tranquillement. N'hésitez pas à me faire un petit coucou dès que vous êtes arrivés, que je puisse vous saluer. Je m'excuse par avance si j'oublie d'en saluer quelques-unes ou quelques-uns. Peut-être que je ne verrai pas tout de suite le commentaire. Bonjour Nathalie, coucou Sandrine, bienvenue tout le monde, coucou ma Laurence. Hop, alors je décale ça pour mieux vous voir. Coucou Rachel, bonjour Fatou, hello ma Cathy, coucou Cécilia. Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je suis Harmonie Marais. Je suis démonstratrice chez Stampin' Up depuis janvier 2020. Et chaque semaine, on se retrouve le mercredi à 14h pour un nouveau live. Coucou Nathalie, coucou Muriel, coucou Mumu. J'espère que tout le monde va bien. Voilà un nouveau live. J'ai plein d'infos à vous donner cette semaine. Je vais essayer d'être concise et pas trop barbante surtout, parce que, bon, hein, on est là pour faire un projet, mais il faut quand même que je vous donne quelques infos. Je vais attendre 2-3 secondes que tout le monde nous rejoigne tranquillement. Coucou Karine, comment ça va? J'espère que vous êtes en forme, que vous commencez à respirer un peu plus. Bonjour Viviane, est-ce que ça va Viviane? Super. Tiens, bonjour Marianne. Toujours fidèle au poste, j'adore. S'il y en a des nouveaux ou des nouvelles parmi vous cette semaine, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires. Ça me fera plaisir de vous découvrir. Coucou tonton, comment ça va? Bien, je vois que tout le monde arrive, c'est super. Alors, dans les petites infos. Cathy qui fait toujours coucou à tonton. J'adore. Toutes les infos cette semaine. C'est parti. Bonjour Martine. Coucou à Fabienne. Une petite nouvelle Fabienne, mais bien sûr. Et Lolo aussi. Non, 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 non. Ça, c'est pas possible. On va pas pouvoir vous croire. Coucou, coco. Comment ça va? Il y en a, on peut pas les croire. Elles sont là toutes les semaines, c'est impossible qu'elles soient des petites nouvelles. Vous ne pouvez pas tricher les filles, c'est raté. Coucou Marotine, ça va ma belle? Vous me faites trop rire. Alors. Ça y est, c'est reparti ça. Allez. La grande nouvelle du jour, vous avez certainement dû le voir. Passé, il y a deux nouveaux kits qui sont sortis aujourd'hui. Nous avons d'abord un Paper Pumpkin qui est coordonné à la collection Encre Animée qui est juste magnifique. Voilà un petit aperçu de ce petit kit sur ma story. Je vous ai mis une vidéo YouTube où vous pouvez voir le contenu, du coup ça peut vous donner une idée, mais vous allez voir, il est juste magnifique ce kit. Et dans le mini catalogue août-décembre, vous aviez dû voir apparaître au début du catalogue un kit qui fait partie de la collection de kits que vous trouvez sur la boutique en ligne. Et ça y est, on a un kit de Noël qui vient tout juste de sortir, il est tout frais d'aujourd'hui. Un kit tout compris avec des tampons à l'intérieur. Et vraiment, il va être top. Coucou Vivi Magnolia, comment ça va? Voilà ce kit, il est vraiment trop beau. Il a des tampons qui sont hyper pratiques. Vous avez largement de quoi faire plein de belles cartes pour Noël. C'est vraiment top. Au moment des cartes de vœux. Il arrive que certains ou certaines d'entre nous s'y prennent au dernier moment, n'est-ce pas? Et ben là, du coup, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire plein de cartes hyper facilement. Et alors, franchement, à un prix défiant toute concurrence, parce que 23 euros avec de l'encre, un bloc, des tampons, les papiers, les embellissements, les points de colle, etc. Je vous avoue que vraiment, il y a de quoi faire.
Autre petite chose et non des moindres, vous avez entendu parler grâce à Aude. Coucou Hello, comment ça va? Grâce à Aude et sur mon blog et mes publications, ça y est, nous avons lancé les inscriptions pour notre crop d'hiver. Ça y est, c'est parti, les inscriptions sont lancées. Donc nous vous invitons à partager cette journée avec nous le 6 novembre pour une crop virtuelle. On va vous proposer de réaliser chacune un superbe album, vous allez voir. J'ai utilisé pour ma part ma collection préférée de tout le mini catalogue. Vraiment, ça a été mon coup de cœur depuis le début. Splendide fantasy, vraiment, je l'adore. Coucou Virginie. Et puis Aude, elle, a utilisé pareil une de ses collections chouchou Endroit paisible, qui est vraiment tout aussi magnifique. Alors, Vivi Magnolia, une crop en fait, c'est toute une journée à scraper ensemble pour réaliser en l'occurrence deux albums. Donc, chacune d'entre nous, Aude et moi-même, vous avons préparé un album chacune avec chacune une collection. Vous vous inscrivez, on vous envoie tout le matériel chacune de notre côté pour réaliser l'ensemble de nos albums et on se retrouve sur un groupe privé Facebook pour réaliser donc ensemble en live ces deux albums. Ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas être présent ou présente pour cette journée, vous aurez toujours accès donc au replay. Donc vous pourrez le faire tranquillement par la suite. J'espère que j'ai répondu à votre question. Vous le savez, nous sommes toujours en période de celebration et attention, ça ne va pas durer. Coucou Delphine, bon après-midi ma belle. Coucou Céline. La celebration se termine dans 3 semaines. Céline, le prix de la crop, c'est 70 € hors frais de port pour toute la journée. Vous recevez donc tout le matériel pour réaliser les deux albums. Vous avez un tutoriel écrit et vous avez également accès au groupe privé et aux vidéos. Ainsi qu'au replay. On veut qu'il fasse du scrap, tonton. Je vais essayer de le convertir, mais c'est pas gagné, hein. Mais pourquoi pas, qui sait? Avec les kits, je suis sûre que je peux lui réussir à lui en faire faire une. Coucou Isa, j'espère que ça va. N'hésite pas à me dire si les sous-titres sont bien là. Normalement, je les ai activés avant de démarrer le live. Donc, je vous disais, la celebration, c'est encore pour 3 semaines. C'est une période idéale, comme tant d'autres, vous me direz, mais quand même, c'est une période idéale pour 2 choses. La première, vous faire plaisir lorsque vous passez vos commandes. Vous avez la possibilité comment dire, de gagner des cadeaux. Tous les 60 € d'achat, des cadeaux qui sont vraiment trop beaux. Il y a notamment le papier design. Des pingouins qui est super craquant, il y a des sets de tampons avec les petits moutons, vraiment ça serait trop bien. Tonton pendant un live, pourquoi pas, je vais lui en parler, je suis sûre qu'il va être d'accord. Vraiment, je suis sûre. Et moi de droite, je vous en prête une. Oh, Bakati, à mon avis, avec tonton, tu rigolerais bien. Je pense que tous les deux, ça serait quelque chose. Ouais, je suis d'accord, Fabienne, on la lâchera pas comme ça. Et donc, la deuxième chose qui est vraiment top pendant la celebration, c'est si vous souhaitez devenir démonstratrice. Devenir démonstratrice chez Stampin' Up, ça vous apporte tellement de choses. Alors, évidemment, il y a les réductions sur les produits. Ça, bien sûr, c'est un fait, c'est calé, c'est posé, on le sait. Mais il y a aussi toute l'aventure humaine derrière et qui est vraiment fondamentale pour moi. En fait, je sors ce matin, vous avez dû l'apercevoir sur ma page. Je fais partie d'un des comités Stampin' Up avec 4 autres de mes camarades à qui je fais un gros bisou. Et voilà, on a eu un live aujourd'hui ensemble pour justement parler des kits avec nos collègues démonstratrices. Et vraiment, cette heure que nous avons passée ensemble, on en parlait à la fin, nous booste, nous fait du bien. Nous apporte du positif et en fait ça nous arrive régulièrement ces moments ou même avec les conventions où on se retrouve ensemble et je vous assure que c'est un monde complètement à part qui est tellement positif et qui fait du bien, je vous assure.
Donc, si vous êtes en train de vous poser la question et que vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis pourquoi pas tenter l'aventure et venir rejoindre mon équipe. Je serais ravie de vous accueillir. Une dernière information et non, enfin, assez importante. Je vous annonce que exceptionnellement, la semaine prochaine, donc mercredi prochain, le 15 septembre, je ne serai pas en live avec vous. Mais pour ça, je vous assure que j'ai une très bonne raison. Vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai un petit frère. Bon, un petit frère qui a que 4 ans, que 4 ans de moins que moi, hein. Mon petit frère, eh bien, ça fait bientôt 6 ans que je ne l'ai pas vu. Donc je vais aller le voir parce qu'il va être bientôt papa. Donc je vais le rejoindre la semaine prochaine et il habite au Portugal. Voilà, donc on part en voiture. Vous penserez à moi. Oui, c'est ça, Cathy. 15 heures de voiture, je pense qu'on va s'amuser. Mais voilà, il faut que j'aille voir mon petit frère. Ça fait trop longtemps. Je suis sûre que vous allez me comprendre et que vous m'en voudrez pas de pas être là la semaine prochaine. Ceci étant dit, je ne serai pas en live, mais je vous ai déjà préparé un tuto en vidéo qui sera publié donc mercredi 15 à 11h. Voilà, vous aurez quand même un projet, vous verrez quand même ma trombine enregistrée. Voilà, je vous laisse pas sans rien, mais je suis sûre que vous m'en voudrez pas. Voilà, je suis impatiente, j'ai l'impression que c'est bientôt Noël. Alors Laurence, l'avion, oui, sauf que comme il va être papa, je vais lui apporter du matériel de bébé, notamment un immense landau anglais que ma maman avait pour nous quand on était bébé. Et il est énorme. Un lit, un parc, des peluches, dont des peluches qui étaient aussi à nous, parce qu'on en a gardé de nous quand on était petit. Voilà. Et puis des petites gourmandises qu'il trouve pas au Portugal, dont il rêve de remanger, genre des petites madeleines ou de la crème de marron. Voilà. Donc, pardon. Oh, ben je pensais pas. Je suis désolée. Voilà. En gros, je vais voir mon petit frère la semaine prochaine et je vous ai préparé une vidéo. Voilà. Non, je prends pas un 15 tonnes, on a un 5008, donc ça va le faire. On va se serrer, on parque à deux. Voilà. Bien. Alors, je vais retourner ma caméra et puis on va tout de suite parler du projet. Allez, hop, je retourne ça. C'est parti. Ah bah oui, il y a encore la petite ma tête là, mais ça va le faire. Ah bah non, Cathy, me dis pas ça parce que sinon je vais pas. Je vais pas y arriver et puis je vais pas réussir à gérer. Donc, allez, on y va. Vous avez ici donc le projet que je vous propose aujourd'hui. Un petit écrin, un stylo tout simple. Je vous l'ai expliqué je vous ai dévoilé un petit secret dans mon article. Je suis une accro des stylos. J'en ai plein partout. J'en ai dans des trousses, j'en ai dans des pots à crayons, j'en ai plein. Voilà, donc je trouvais que ce petit projet était assez sympa. Je suis sûre que vous avez des gens autour de vous ou vous. Non, Fabienne, t'as pas le droit. qui sont comme moi, parce que bon, voilà, quand on aime le scrap, on a toujours plein de crayons et tout ça, voilà. Et du coup, ben, pour faire un petit cadeau, un bel écrin, c'est vraiment top. Mais ça peut être aussi quelque chose en scrap, puisque j'ai testé de mettre aussi un. J'ai oublié le nom, le Wink of Stella dedans. Et ça passe. Voilà comment lier l'utile à l'agréable en faisant une création et en offrant par exemple du Wink of Stella à une copine. Voilà. Non, non, Fabienne, je t'assure que t'as pas le droit. Donc voilà comment se présente ce petit écrin. Vous allez voir, c'est vraiment tout simple à réaliser. J'ai utilisé la collection Récolte des Prés, qui est vraiment très très jolie pour l'automne, à laquelle j'ai ajouté un ruban qui est juste magnifique, le ruban doré. Alors, est-ce que mon zoom va bien vouloir se faire? Ouais, vous avez vu comme il est brillant? Imaginez vos futures créations de Noël avec ça. Ça va être super beau. Une petite étiquette toute simple où j'ai embossé ici en doré. Voilà. Et donc, le petit ruban, je le retire comme ceci. Et c'est tout simplement
Hop, voilà, le petit écrin est comme ça, donc vous allez voir. On va faire les petites encoches là, mais vraiment, ça va être super facile, vous allez voir. Voilà. Alors, je range ça. Le Wink of Stella, oui, c'est ça. Bon, là, j'ai pris mon stylo plume, hein. Hop, alors, je mets ça de côté. La collection récolte des prêts, des prêts, c'est celle-ci. Elle se trouve dans le mini-catalogue, page 55. C'est un papier au format 30-30. Ici, sur ma présentation, vous avez les papiers recto, verso à chaque fois, deux par deux. Donc vous voyez, c'est vraiment super beau. Les couleurs unies qui sont coordonnées à la collection sont Corail Calypso, Beau Bourdon, Soyeuse Succulente, Mystérieuse Brume et Brune Dune. Vraiment, j'adore ces couleurs. Toute douce, c'est vraiment trop mignon. J'espère que vous voyez bien à l'écran. N'hésitez pas à me dire, j'ai essayé de faire des petites modifications. Je cherche toujours le moyen d'améliorer tout ça. J'espère que du coup, ça fonctionne bien. Oui, il est beau, hein, Marie-Thérèse, le papier. Il est vraiment très très beau. Coordonnées, bien sûr, les tampons et les poinçons. Mumu, va falloir que tu te fasses copine avec ton banquier, je pense. C'est ça la solution. Ou alors, il faut. Mais quand même, toi, t'es devenu démo, donc t'as des petites réductions. Hein? Oui. N'est-ce pas? Donc voilà, s'il y en a qui sont accros comme moi à Stampin' Up, rejoignez-nous et vous verrez. Mumu, Laurence, Carel, Marotine, elles sont trop mignonnes, je les adore. Venez nous rejoindre. Ici, je vous ai mis donc les tamponnages. La découpe, vous avez vraiment des super découpes. Alors, hop, je vais approcher ça. Ici, vous avez des découpes. Je vous les ai mises en couleur pour que ce soit plus visible. J'espère que ça vous convient. C'est vraiment trop, trop beau. Voilà. Ici également, une autre découpe. Ça fait vraiment super joli. Je les avais utilisées en partie pour la création du porte-carte la semaine dernière. Ici, le tamponnage. Hop, la découpe contour, les sentiments sont bien en français, regardez, hop, voilà, vous avez également ici les jolies fleurs avec la découpe également, oui ma coco, c'est vrai ma coco, elle est là aussi, ma filleule coco, j'ai plein de filleules qui me suivent pendant mes lives, j'adore, elles sont trop mignonnes. Et voilà les autres sentiments. Vous avez des belles étiquettes aussi qui sont coordonnées. Aujourd'hui, je vais travailler avec nos petits pingouins parce qu'on les aime bien, nos petits pingouins. Ça, c'est le papier Celebration qui vous est offert dès 60 euros d'achat et par tranche de 60 euros. Il est page 4 sur la brochure du papier 30-30. Je sais que vous êtes très très nombreux et nombreuses à être fans de ce papier. Et vous avez bien raison. D'ailleurs, il est coordonné avec un lot que vous trouverez dans le mini-catalogue. Cathy, je suis bien d'accord avec toi, ça me fatigue aussi les marabouts. J'ai pas de solution pour les supprimer, j'ai fait plein de recherches, mais je trouve pas. Donc, vous avez un lot qui est tampon perfo pour pouvoir découper ce magnifique petit pingouin. Donc, celui qui est assis, hop. Alors, le temps que le zoom se fasse, voilà. Vous avez la découpe contour, vous avez la découpe intérieure pour lui donner un peu de profondeur, vous avez les petits pieds. Voilà, vraiment le top du top. Et du coup, vous pouvez lui mettre plein de petites décos, une écharpe, un nœud pape, un bonnet, vous avez son petit bec, vraiment trop mignon. Les petits ballons et les cadeaux, tout ça, ce sont des tamponnages. Voilà, tout ça c'est coordonné avec le papier. Donc il y a vraiment de quoi s'amuser. Voilà ce avec quoi je vais travailler aujourd'hui. Et je vais prendre. Alors, hop, oui, je sais que vous les signalez les filles. Merci beaucoup, heureusement, parce que franchement, c'est vraiment pénible. Je vais utiliser macaron à la menthe. Alors, il ne vous faut pas beaucoup de papier design pour cette création. Vous allez voir. Et puis ça va être très rapide à faire. Ouais, ils sont vraiment, vraiment pénibles. Oui, ils sont beaux, Cathy, hein, les papiers. Ils sont vraiment top.
Donc, ici, le papier macaron à la menthe ou sous l'écume. Je vous dis une bêtise, c'est sous l'écume que j'ai pris. Je prends mes petits papiers, je vais comme d'habitude vous afficher, hop là, les mesures qui sont donc, pouf, ici. Bonjour Création Sophie, bienvenue. Donc les affiches, pas du tout, les mesures sont ici, ok. Donc, vous avez besoin, hop, pour, je vous ai refait des gabarits, hein. Comme ça, vous peinerez moins. Oui Viviane, je sais que tu es fan des pingouins aussi. Alors, un morceau de papier uni qui mesure 19 par 19 par 13 cm. Ok? Ça va être l'entourage. Ensuite, vous avez également besoin pour le tiroir d'un morceau de papier, j'ai zappé les mesures comme d'habitude, de 19 par 10,4. Merci ma Cathy. C'est un peu flou, bah écoute, c'est que là c'est très clair, donc ça va peut-être changer, mais avec le gabarit tu vas voir, ça va aller mieux. Donc, nous allons faire des plis à ces papiers. Ici, nous avons ce qu'il faut pour... Ils ont des prénoms, les pingouins? Non, je ne leur ai pas donné de nom. Mais je suis sûre que tu vas les trouver, toi, des noms. Tu vas en trouver, c'est sûr. Alors, du coup, je suis perdue avec ces bêtises-là. Ça, le morceau qui mesure. On recommence, on se concentre, 19 par 10,4, ça va être l'entourage, c'est-à-dire cette partie-là dans laquelle on va insérer tout ça. Oui, mais j'ai commencé fort le live, alors du coup, je suis un peu... ma faute, c'est pas bien. Hein. Lui, ça va être très simple, on va faire simplement 4 plis, et on va coller. Tout simple, ok? 3,2, 4,8, 8 et 9,6. Je vais le faire avec vous, ne vous inquiétez pas. On va commencer par ça et puis ensuite on va attaquer l'intérieur. Si je prends... Merci ma chérie. Ouf, pardon, excusez-moi. J'ai tout cassé. Voilà. Alors, vous verriez mon espace de travail, j'en ai partout. Entre les caméras, l'ordinateur, le téléphone... les fiches, le matériel, pouf! Allez, c'est parti. Je prends donc mon morceau de papier qui mesure 19 par 10,4 et je viens faire un premier pli à 3,2. Ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à suivre en live, vous pourrez le faire en replay grâce à tout ce que vous aurez dans l'article de blog après. Béatrice, tu fais avec ta petite fille? Oh super, faudra nous montrer hein. Marotine, ouais, Lily, elle a fait une bonne rentrée, ça va. Elle est contente, elle est chez les grands maintenant, en sixième. Hein. Mais elle est fatiguée. Donc le premier pli est à 3,2. Le second pli est à 4,8. 3,2, 4,8. Ensuite, 8 cm. Pardon, et le dernier à 9,6. Voilà. Donc là, hop, ça y est, on a l'entourage qui est fait. On va marquer les petits plis juste comme ça pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà, et en fait, on va rejoindre tout ça en collant par le petit pli. D'accord? Donc ça va être vraiment tout simple. On va pas le coller tout de suite, vous le savez. Moi, je préfère mettre le papier design avant d'assembler les choses.
Ok. Ensuite, on s'attaque au petit tiroir, à ce qui va clairement accueillir en fait le stylo, c'est-à-dire, je vous le remontre, cette partie-là. Ça peut paraître impressionnant comme ça, mais vous allez voir, c'est super facile à faire. Ok? Alors, c'est parti. Merci ma Cathy. Donc, maintenant, nous prenons le morceau de 19 par 13 cm. Nous allons placer le papier sur le bord court. Je fais comme Aude, c'est-à-dire Béa. Tu parles de quoi, ma belle? Et nous allons marquer nos plis. Le premier pli est à 3 cm. Ensuite, 4,5. Virgule 5. À chaque fois, j'ai l'impression de donner les chiffres du loto. 8,5. 5. Et pour finir, 10 cm. Donc je répète les mesures. 3, 4,5, 6,5, 8,5 et 10. Ah, je me fais une grande pièce. Ah, mais j'ai plus de pièces en fait. C'est pas possible. On a tout pris là. En fait, j'ai piqué une partie du garage. Donc là, je peux plus pousser les murs. Donc j'ai mon petit atelier. J'ai réussi quand même à gratter 6 mètres carrés. Et bah, y a, du coup, il y a des étagères partout, hein. Mais là, je peux plus pousser les murs. Je peux plus. Ou alors, il faudrait créer une extension à la maison. Mais bon, là, ça se joue autrement quand même, hein. C'est plus compliqué. Alors, on se concentre. C'est pas compliqué, vous allez voir. Vous voyez ici, vous avez un trait plein. Donc, vous avez l'habitude avec les légendes, le trait plein, c'est une découpe. D'accord? Vous l'avez ici, mais vous l'avez également ici. Cette coupe, nous allons la faire de la deuxième ligne de pli à la quatrième. D'accord? On ne va pas couper tout le long. Donc on va venir créer une encoche ici jusque-là. Pareil là à là. Donc de la deuxième à la quatrième ligne de pli. D'accord? Et à 1,5 cm de chaque bord. D'accord? Donc, vous savez, j'aime bien tenir correctement mon papier. Donc, je vous laisse ça là, que vous le voyez bien. Je vais venir positionner mon papier à 1,5 sur mon coupe-papier. D'accord? Pour bien le maintenir. Si vous n'avez pas de massicot, vous pouvez tout à fait le faire avec un cutter, bien sûr. Vous faites votre marque donc à 1,5 depuis le bord droit et pareil depuis le bord gauche. Et vous tracez une encoche de la deuxième à la quatrième ligne de chaque côté. Avec mon coupe-papier, hop, maintenant que je suis bien placée à 1,5, je vais venir placer ma lame donc à ma deuxième ligne de pli. Vous ne voyez pas très bien ici, mais fiez-vous bien au gabarit ici. D'accord? Deuxième ligne de pli jusqu'à la quatrième. Hop, et je m'arrête. Ok, du coup, je me retrouve avec une petite encoche que vous apercevez ici. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors, je vais mettre ça hop, en dessous pour que vous continuiez à voir. Même principe, je me place à 1,5. Voilà, je positionne ma lame à partir de la deuxième ligne de pli. Hop, et je m'arrête à la quatrième. Un tout petit peu avant pour ne pas déborder. Voilà. Ah, je ne suis pas allée assez loin sur la deuxième. Ah, super Brigitte, je suis contente que ça t'ait plu. Justement, j'en parlais au début du live, tu vois. J'expliquais tout à l'heure que être démo, c'est vraiment trop bien parce qu'en fait, on échange avec nos collègues et on se rebooste mutuellement.
Et nous aussi, on a vachement apprécié le live, donc je suis contente que ça t'ait plu, Béatrice. Brigitte, excuse-moi. Voilà, le plus compliqué de ce projet est fait. J'espère que vous avez réussi, que vous avez compris, et surtout, n'hésitez pas si ça n'est pas le cas. Et au pire, vous pouvez refaire, bien sûr, en replay. Alors, dans un premier temps, je vais venir tranquillement marquer mes plis. Voilà. Je vais juste leur donner la forme pour l'instant. Et il va nous rester deux petits morceaux de papier qu'on va plier également. Vous allez voir, ça va nous servir en fait de renfort à la boîte. Alors, je marque tous mes plis déjà dans un premier temps. Voilà, hop. Et vous allez voir que ce que l'on va faire, en plus, il y a ma grande. Ah, c'est Agathe, ta marraine. Je savais pas, Brigitte, excellent. Elle est trop mignonne en plus. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, le principe, ça sera, voilà, de faire comme ça et de faire ressortir. Coucou Monique, comment ça va ma belle? Voilà. En gros, on va se retrouver avec ça. Mais la petite chose en plus, vous allez voir, c'est qu'on va lui mettre des renforts. Je vous montre. Il vous faut deux morceaux de papier uni. Les renforts, en fait, ce sont ça, c'est des petits morceaux de papier qu'on va rajouter à gauche et à droite qui vont faire en sorte que bah, le crayon ne se sauve pas. D'accord? Et on va les rentrer dans la petite encoche qu'on vient de créer. Ok? Alors, je reprends ça parce que du coup, je suis un petit peu bête de l'avoir posé. Oui, Monique, pas de problème, t'en fais pas, t'en fais pas. Et donc, ces deux petits morceaux de papier-là, on va leur faire trois plis. D'accord? Ils mesurent chacun 5,5 par 2,8. 5,5 par 2,8. Ok? C'est bon? Et on va tous les deux leur faire les mêmes plis. Un pli à 1,5. Un pli à 3 cm. Et un dernier à 4,5. Donc 1,5, 3 et 4,5. OK? Et on fait pareil sur les deux. 1,5, 3 et 4,5. Voilà. Ça, c'est fait. Donc on va tranquillement marquer comme il faut tous nos petits plis au plioir. Hop, je fais pareil sur les deuxièmes. Et en fait, on va venir les coller donc sur notre base ici par le tout petit pli qu'on a fait là. Vous voyez? Pas si vous voyez bien, si je le mets dans ma main, ça sera peut-être mieux. Voilà. On va coller cette partie-là, le tout petit pli. Et j'ai l'impression, je reviens sur les marabouts, mais plus il y a de marabouts sur mon live et moins il y a de monde au live. J'ai remarqué ça. Alors, je remets mon papier à plat. D'accord? Donc, si je vous remonte sur le gabarit, parce que du coup, il y a peut-être plus de visibilité. Je vous disais, on a donc, hop, le tout petit pli ici. On va venir le coller ici et l'autre en face, pareil, par l'autre petit pli. OK? Voilà où on va les coller. Et après, en emballant le tout, on pourra rentrer donc ces parties-là dans les encoches. Ça marche?
Alors, je vais le faire en même temps. Voilà. Je vais prendre ma colle. Hop. Là, vous n'êtes pas obligé de mettre du double face dans le sens où ça va être quand même maintenu à l'intérieur, donc pas de souci. Ça ne fait pas exactement la largeur de votre bande, là, donc c'est normal. Centrez-le. J'ai encore la tête dans le... Merci Lily. J'avais encore la tête dans le champ. Je suis désolée. Voilà, et pareil sur la gauche. Hop. Ils jettent des mauvais sorts. Bah, ils sont pas gentils s'ils me jettent des mauvais sorts, Marutine. C'est pas cool, hein. Il y a tonton qui dit bien, ma Lily. Lily, elle se cache. Oui, 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 Cathy, elle se cache. Fais coucou. Elle n'ose pas. Alors, ça y est, nos bandes sont collées. Donc, on va tout entrer comme ça. Hop, et on va venir... Hop. Gérer les petites encoches là. Hop, et on va les rentrer à l'intérieur de l'encoche. Voilà, on va resserrer un petit peu. Voilà. Hop, on n'hésite pas. Et on rentre pareil. Allez, poulette, viens nous faire un petit coucou, elle dit Cathy. Elle arrive. Voilà. Donc là, ça y est, c'est monté. On va rajouter un petit bout de colle derrière. Elle veut, je crois. Faut pas le dire, mais je crois qu'il est parti se passer un coup de brosse. Elle arrive. Et là, on va passer un petit peu de colle ici, juste pour maintenir encore un petit peu plus fortement. Mais c'est quand même bien maintenu avec le renfort qu'on vient de poser. C'était ça. Hop, un petit peu de colle. Voilà, elle est où ma choupette? À gauche ou à droite? Coucou. Attends, ça y est. Elle est là. Elle a presque fait une petite sieste, hein, parce que les horaires du collège, compliqués. Hein. Hier, c'était 8h, midi, 13h, 17h. Ça pique. Tout le monde te fait coucou. Coucou. Ah, il y a plein de petits cœurs. Oh, c'est trop gentil. Cathy, elle dit tu es superbe. Vous allez la faire rougir autant que sa mère. Voilà. Ça y est. Donc là, hop, si je reprends mon autre crayon, et voilà, pouf, ça y est, notre écrin, il est fait. Sophie dit coucou à ta fille. Coucou. Il y a plein de petits cœurs, il y a Cécilia qui dit coucou, il y a Fabienne, il y a Muriel, coucou Lily. T'es rebaptisée, hein, ça y est. Donc voilà, maintenant il nous reste à faire la déco. Il y a Mumu qui dit coucou aussi. Coucou. La déco, en fait, c'est tout simple. Il vous faut... Tiens, j'ai perdu ça. Ça va là. Ah, mais attendez, j'ai pas collé ça. Pour l'entourage de notre petit écrin. Vivi Magnolia te dit coucou aussi. Coucou. Alors, il nous faut un morceau de papier de matage qui mesure 18,6 par 1 cm. Tonton, il dit, moi, je peux me brosser. Dis coucou à tonton. Coucou, tonton. Et toi, tu vas l'avoir une semaine. Merci, Cathy. Vivi, t'es larguée? Bah ouais, ça m'étonne pas, puisqu'on parle de tout et de n'importe quoi. Donc forcément, on n'est pas concentré. Hein. Faudra que tu regardes la vidéo en replay, ça sera plus simple. Là, on reprend donc l'entourage. Merci, Maritine. L'entourage de notre écran. Voilà. Qu'on va coller par la petite bande. Avant, on va lui coller le papier déco et le papier de matage. Pour cela, sur la partie du dessus, un morceau de papier matage uni qui mesure 18, c'est celui-là, 18,6 par 1 cm. Par 2,6. 18,6 par 2,6. Vous avez les mesures ici. Le morceau de papier design coordonné, 18,4
par 2,4. Ok. Et on va venir le coller. Vous vous en doutez, vous allez voir, hein, vous allez sur votre plus grande bande. Si, hop, je referme. Fabienne, mais si on scrape, ça sera sur la partie du dessus. Heureusement que j'ai déjà commencé à les coller parce qu'on perd un temps. Je vous jure. Voilà. N'oubliez pas que si c'est compliqué en live, vous regarderez le replay sans problème avec la vidéo, la fiche technique et la liste des produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est parfait. Ok. Et on va venir décorer, pardon, les côtés, pareil. Donc là, c'est bien ça où il vous faut deux morceaux de 18,6 par 1 cm pour le papier de matage. 18,4 par 0,8 pour le papier design. Et vous venez les coller sur les côtés. Coucou Amandine, oui c'est vrai que tu étais là ce matin pour le live. Ravie aussi de t'accueillir ici, c'est gentil de passer. Hop. Vous voyez, je vous avais dit en début de live que c'est un monde génial d'être démo. On se rencontre entre nous, on échange, on partage, c'est vraiment un vrai bonheur. Coucou Nati. Tu biberonnes encore tes petits chatons? Je les intrigue. Les pauvres, je vais leur faire peur surtout. Voilà, je viens coller ça et ensuite on n'aura plus qu'à assembler l'entourage. Voilà, ma colle a décidé encore de m'embêter. Hop. Puis en fait, faut quand même dire que depuis que je suis démo, j'ai quand même rencontré des gens extraordinaires. Ah ben, je suis contente que, tu te sois montrée, Amandine. C'est cool, fallait le faire avant. T'inquiète, Cathy, t'en fais pas. Il y a toutes les mesures, il y a la fiche technique, il n'y a pas de souci. J'ai vraiment autant les démos que les personnes qui me suivent en live. Il y a vraiment des personnes extraordinaires que j'ai découvertes et je les aurais pas découvertes si j'avais pas changé de métier, si j'étais pas devenue démo. Vraiment, l'aventure humaine, c'est bluffant. Et voilà, je colle mon entourage tranquillement par le petit pli. Hop. Allez. Alors, je vous l'accorde, le petit pli d'un centimètre, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, mais ça se fait. C'est sûr que c'est... Ils veulent scraper les petits chats, j'adore. Tu vas moins rigoler s'ils se mettent les pattes dans l'encre. Pense-y. Tu vas voir plein de petites pattes sur ton sol avec de l'encre partout. Ça va être fun. Ça pourrait être beau. Ah, ça pourrait être joli d'avoir décoré la maison. Amandine, on redécouvre l'humain et ça fait tellement bien. Ouais, je suis d'accord avec toi. Amandine qui est en train de suivre le live avec vous, est elle aussi démo. Et du coup, voilà, ben on apprend petit à petit à se connaître grâce à Stampin' Up, grâce à toutes les conventions qu'on a, au partage qu'on fait tous ensemble. Et c'est vraiment génial. Et voilà. On a ce qu'on mérite, ma puce. Oh, t'es mignon, toi. Hop, voilà, on a le nouvel écrin qui est fait, j'ai découpé parce que ça aussi c'est possible, d'ailleurs c'est marrant parce que Aude a fait encore un reel hier je crois, ou avant-hier, sur la découpe des papiers. Tu peux plus scraper Nati, ça c'est pas possible, hein. Ça c'est pas possible, il va falloir remédier à ça rapidement. Et en fait, tous ces beaux petits personnages ont été découpés au ciseau dans le fameux papier design. Voilà. Donc le bel ourson, le renard. Et quand c'est possible, selon où se situent vos pingouins, vous pouvez aussi utiliser la perfo pour découper les pingouins dans le papier quand ça tombe bien. Sinon, petit ciseau.
Ah, gentille et pleine d'attention, tu ne fais qu'entourer de gens merveilleux. Bah ouais, vous êtes merveilleux, je confirme. Coucou Laurence. Muriel, le bisou au poney est fait. Oui, t'es au poney, Laurence, coucou ma belle. Hop, alors, je sais pas si je vais les mettre, les petits personnages, on va voir. Et là, le ruban. J'ai pris un ruban qui est super beau, regardez. Il y a des petits brillants dedans. J'adore. Hop. Et on vient tranquillement l'installer pour le décorer. C'est vraiment de la déco, hein. Parce que du coup, la boîte tient très bien fermée toute seule. Un petit nœud. Un petit peu de brillant. Hop. Voilà. Rien que ça, ça va habiller. L'enclos, l'empêcher. Oh là là, les petits choux qui ont été malades, c'est pas cool ça. Regardez comme c'est joli. Regardez ce petit ruban là qui brille un peu de partout, qui va trop bien avec ce papier. Et là, la question est de savoir si je mets un petit pingouin. Ouais, tiens, je vais le mettre, ça fait joli, ça va habiller un petit peu. Je vais le mettre hop, avec des dimensionnales que je vais coller juste sur mon ruban. Donc, je vais prendre des mini, ce sera plus joli. Et je vais les couper, ça sera aussi bien, parce que le temps que je les trouve dans mon bazar. Là, hop. Ah, c'est cool, Nati, je suis contente que ça te plaise. Hop, un petit bout de dimensionnal collé directement sur mon ruban. Je rêve ou t'es en train de me filmer, Lily? Oui. Oh, super. Je vais me retrouver en story sur Snap, je le sens. C'est pas Bibi Fock, non, c'est pas Bibi Fock, tonton. Par contre, j'ai retrouvé ma peluche Bibi Fock, du coup. Je l'ai là. Hop. J'ai mon Kiki, j'ai Bibi Fock, j'ai les Popples aussi, et les nounours qui se retournaient la tête à l'intérieur. C'était trop bien. Voilà, voilà. Bref, tout ça pour dire que ça y est, regardez. On peut même le laisser dans ce sens-là, parce que du coup, la présentation, je l'avais faite en largeur. Bougez pas. Hop. En plus, ça rentre tout seul, c'est trop bien. Je vais remettre mon ruban. Voilà. C'est là qu'on va voir si il va encore faire des siennes ou pas. Pour se remettre là. Attends, j'arrive et bouge pas. Popples, oui, tu t'en souviens, il se transformait en ballon de foot, c'est ça. Et là, il part au Portugal aussi, celui-là. Il était trop mignon. Et voilà. Donc là, on a encore deux versions. Celle qui est un peu plus classe, élégante, pour n'importe quelle occasion. Et puis celle-là, un petit peu plus, la version un petit peu plus enfantine, mais assez sympa, je trouve. Kiki, le kiki de tous les kikis, oui, c'est ça. Voilà, alors je suis restée un peu dans les tons de vert, c'est vrai. Je vais vous l'approcher pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà le petit pingouin, avec le beau ruban. Et puis, donc la première version, voilà, avec le beau ruban doré, qui est vraiment très très joli. J'aime beaucoup ce ruban. Ah, c'est encore flou. C'est encore flou. Ouais, c'est encore flou. Merci Muriel. Voilà, voilà. Ça y est. On a terminé. On a réussi. Bon, heureusement que c'était un projet facile, hein, parce que sinon, je crois que ça aurait été compliqué d'aller jusqu'au bout. Hein. Voilà, voilà. J'espère que ce projet vous a plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Merci, Karine. Donc, vous l'aurez compris, la semaine prochaine, une vidéo enregistrée. Mais voilà, dans le même principe que nos lives. Par contre, je le publierai un petit peu tôt pour une fois, un petit peu plus tôt, il manquait un mot. La vidéo sera publiée mercredi à 11h. Oui, avec plaisir, Nati, il faudra me montrer. Hein. Merci, Cathy.
Voilà, c'est fini. Oui, tonton. Donc, je disais, oui, même principe, la semaine prochaine, vous aurez l'annonce du projet samedi. Et puis, donc, la publication de la vidéo, soit sur ma page Harmony Scrap, soit sur ma chaîne YouTube Harmony Scrap, et sur mon blog également. Donc, tout ça à 11h, vous aurez absolument tout sous la main. La vidéo, les photos, les produits utilisés, voilà, comme pour le live d'aujourd'hui. Le temps de charger la vidéo, de faire les photos, et puis je vous envoie tout ça pour que vous ayez le temps de refaire tranquillement l'écran, parce que je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient réussi à le faire en live aujourd'hui, vu le papotage qu'on a fait cet après-midi. Voilà. Voilà. Donc on se retrouve en live le 22 septembre. Voilà. Oui, promis, Cathy. 22 septembre. Donc en live, je vous ferai des petits coucous quand même la semaine prochaine, je vous promets. Je ferai peut-être quelques petites photos que je vous enverrai. Et puis voilà, donc la semaine prochaine, on ne se voit pas, mais vous... attention, lundi, le 13, je vous publie une surprise. Il sera question de club. Voilà. Donc encore des nouveautés pour vous. J'espère que ça vous plaira. Et bon, je reste joignable quand même si vous avez besoin, si vous avez des questions, si vous avez des soucis, si vous avez envie de rejoindre mon équipe, si vous avez des commandes à passer, si vous avez besoin d'inspiration ou de conseils sur un projet, voilà, j'essaierai de vous répondre le mieux possible. Une photo du frangin? Ouais, je vous enverrai une photo de nous deux si vous voulez. Ça marche. Il est beau, il est très très beau. Surprise! Ouais, des petites surprises. Voilà, alors sur ce, je vous abandonne. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente après-midi. Prenez bien soin de vous. Je vous promets que je vais aussi prendre soin de moi. Il y en a plein qui me le disent, mais oui, la semaine prochaine, je lève vraiment le pied, maintenant que la rentrée est faite pour les enfants et tout. Voilà, je vous promets. Et puis donc, rendez-vous en live le 22 et la semaine prochaine pour quand même... plein de nouveautés, vous verrez. Je vous embrasse très 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 fort. N'oubliez pas les kits qui viennent de sortir, la crop aussi, les inscriptions jusqu'au 30. Je vous embrasse très très fort, je vous abandonne cette fois, je vous laisse tranquille. Gros gros bisous. Ciao ciao tout le monde!